la problématique du logement. La problématique du logement est une vraie problématique parce que nous sommes territoire servant, c'est-à-dire qu'on est à proximité de la région parisienne. Et on pense trop souvent que ce territoire, eh bien, on y met les logements pour ceux qui vont travailler sur Paris, notamment à l'est pour aller travailler à l'ouest. Eh bien non, moi je m'inscris complètement en faux par rapport à cette vision. Moi je pense que ce territoire a un autre avenir qui est simplement des zones de stockage d'habitants où les gens prennent le train le matin pour aller travailler sur Paris. Non. On doit pouvoir travailler sur place, on doit pouvoir se développer, on doit pouvoir vivre et passer sa vie sur ce territoire qui doit être considérablement valorisé. Donc ce territoire doit appréhender peut-être plus que beaucoup d'autres la problématique du logement. Et de quelle manière ? Aujourd'hui, on a trop souvent tendance, et ça c'est une vision gouvernementale, la gauche qui est au gouvernement, de se dire, bah, écoutez, voilà, comme vous avez des personnes en difficulté sur ce territoire, vous n'avez qu'à construire des logements sociaux. Eh bien non, moi je m'inscris en faux, je ne veux pas de cette vision. Parce que je pense que ce à quoi aspire l'immense majorité des habitants, eh bien c'est d'être propriétaire de leur logement. Et donc il faut qu'on travaille, et moi je m'investirai très fortement pour qu'on ait une autre vision du logement. C'est-à-dire qu'on mette le pied à l'étrier au plus grand nombre, de façon à ce que tout le monde soit propriétaire. Moi je veux une France de propriétaires, et pas des gens qui sont condamnés à être dans des logements sociaux et y passer toute leur vie. Eh bien non, c'est pas ce que je veux. Je pense que il y a de nombreux jeunes à qui on peut mettre le pied à l'étrier, comme je l'ai fait à titre expérimental sur mon quartier Parc en Seine, sur ma ville, où avec Jean-Louis Borloo et Benoît Paru, les ministres, on avait travaillé sur une problématique d'accession, c'est-à-dire qu'on mettait le pied à l'étrier à des jeunes couples avec des prêts à taux zéro, avec tout un tas de dispositifs qui faisaient que, en définitive, à 30 ans, on pouvait devenir propriétaire. Eh bien, c'est cela, une France de propriétaires, comme on trouve dans beaucoup de pays européens, et qu'on ne sanctuarise pas des espaces où on y met les gens qui rencontrent des difficultés sans espoir pour eux de s'en sortir. Ce qu'il faut, c'est pouvoir entrer dans un petit logement comme propriétaire, après pouvoir le vendre et de façon à acheter un plus grand logement, de façon et ainsi de suite, au fur et à mesure que la famille s'agrandit, pour que chacun puisse être propriétaire, chacun puisse avoir un parcours, ce qu'on appelle un parcours résidentiel, et pouvoir ainsi trouver sens à sa vie.